Bonsoir à tous, c'est Altig, on est aujourd'hui présent sur une vidéo Tropico, donc j'ai juste vérifié, deux secondes, le son, comme toujours, j'aime ça. Ok, alors ça n'a pas l'air de marcher, automatique, ok. Salut Maxence, bah écoute, ça fait plaisir déjà que tu sois passé. Du coup, donc, c'est Tropico 5, c'est un... comment dire... ce sont les add-ons, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est des missions supplémentaires que j'ai payées, donc, celle, donc la mission principale Tropico, un jeu que j'adore, c'est sauver le monde. Alonso Altig, ah oui d'accord, donc ça c'est le nom de famille, Ambrosio Altig, c'est parfait. Donc la mission principale c'est sauver le monde, là ce sera pas sauver le monde, ce sera juste le Toucan Maltais, d'où le nom un peu bizarre du live. Du coup, donc là on est dans la création de la nouvelle dynastie pour faire cette partie. Donc du coup ce sera la dynastie Altig. J'ai choisi un homme. Le miroir ne fait absolument pas ce que le mec fait en même temps. Ah là oui, ok. Donc tous les soldats, donc là maintenant je vais choisir la compétence. Tous les soldats infligent des dégâts augmentés de 2%. Le coût des bâtiments en service se réduit de 10%. Construction des bâtiments de service. Ah ouais, seulement les bâtiments de service. Ah. Disposer de 2000 euros de plus, ce qui est pas génial. Ah, je m'entends, c'est génial. Tu dois réviser ton brevet et l'étoile. Bah, bon courage, Maxence. Bah, ça marche. Bah, bon courage jusqu'au 30 juin. Moi aussi, je suis en train de vivre une période d'examen, donc c'est la galère, on connaît ça. Les constructions sont. Ah, toutes les constructions sont 4% moins chères. Ça, c'est vraiment important. Tiens, on va essayer de mettre un mec qui me ressemble à peu près. Bon, il n'y a pas tant de choix que ça. Donc niveau musique, je vais sûrement, j'espère que je vais pas faire ban la vidéo entièrement. Attendez, j'entends pas. Ah, je crois que la musique se diffuse pas en fait, tout simplement. Ah si, elle se diffuse, ok. Bon, j'espère juste qu'on va pas se faire ban la vidéo. Espérons-le. Parce que les musiques sont pas libres de droit, donc... Red and Blue, tiens. Alors, on est Red. Red. Donc là en fait ça a aucun intérêt hein, ce que je fais. Red and blue. Magnifique. Cheveux. Voilà. Ça me paraît bien. Bah, tiens, on va mettre carrément un chapeau quand ça sera fait. Voilà. Ça c'est un beau dictateur. Alors. Salut Maxence. Et bonne journée à toi aussi. Bonne soirée. Du coup c'est la première fois que je teste. Apprenez le Alors apprenez-en plus sur le fabuleux Toucan Maltais et débarrassez-vous des chaînes qui vous retiennent. On a le choix entre deux îles. La première, je la connais. Et la deuxième, je la connais aussi. Mais beaucoup moins, donc je vais prendre la deuxième. Voilà, donc c'est vraiment la toute première fois que je lance ce mode. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Je connais très bien ce jeu. Puisque j'y joue depuis Tropico 1, il y a 15 ans. Ces obsessions ont façonné de grandes nations. Et ont fini par devenir la marque distinctive de leur identité nationale. Durant l'Antiquité grecque, Hélène a entraîné la destruction de la plus grande cité de l'époque. L'appétit sans fin de l'Espagne pour l'or a été à l'origine d'une ère de découverte et d'expansion. Tropico, pour sa part, dans l'une de ses nombreuses incarnations spatio-temporelles, est obsédé par un oiseau empaillé. Cette obsession façonnera la grande nation que Tropico rêve d'être. Depuis toujours. Ok. Ça m'en explique pas plus que ça. Bonjour, ah, voilà. Gouverneur. Je serai votre inter... Au début, on n'est pas indépendant. Et avoir son indépendance. Voilà, donc la première mission, ça va être construire un nouveau donjon. Bonjour, gouverneur. Ça m'apportera des informations sur le Toucan. Construire un ranch en... pour gagner 6 mois de plus. Voilà. Donc là, c'est à explorer tout ça. Alors, j'ai construit un camp de ranger un tout petit peu après, je vais expliquer pourquoi. Enfin, je vais expliquer même d'ailleurs tout de suite pourquoi. Parce que le camp de ranger, ça me permet d'explorer sans avoir à payer 1000 à chaque fois. Parce que pour explorer, il faut payer 1000, il faut cliquer là où on veut explorer, nanana. C'est très long, donc voilà, j'ai construit un camp de ranger juste après. C'est un jeu aussi qui fonctionne comme tous les jeux de stratégie avec un arbre de technologie, donc de recherche. Ah.
Est-ce que ça marche toujours? Il y a eu une petite coupure. Désolé. Ça m'embêterait de relancer en live. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Désolé pour la petite coupure. Donc du coup, je sais pas si on l'a entendu juste avant la coupure. Il y a eu... Parce qu'il y a des orages ici, je sais pas si c'est dit ou pas, mais... il y a un arbre de technologie donc à débloquer. Donc on commence par tout d'abord les améliorations. Donc on va découvrir la mine, on va améliorer la fossile, les cowboys. Donc le cowboy pardon, on va améliorer les ranchs. Et ensuite on peut aller jusqu'à très très loin. L'informatique, les spas, les villas, les appartements modernes. Enfin voilà. Bref, on a commencé par chercher la mine parce que là on peut pas planter de mine ici et ça rapporte beaucoup d'argent et c'est très important en tropicaux. Donc voilà, donc là je recherche la mine. Donc pour rechercher, il faut des points de recherche. Et pour ça, il faut des lycées, des bibliothèques, etc. Donc on va d'abord mettre une bibliothèque. Là je veux vraiment la base. D'habitude j'aime bien tout ranger, là je suis un peu à l'arrache. On va essayer de faire une ville à peu près belle parce que... Donc pour l'instant ça sert à rien qu'elle soit belle, mais plus tard, niveau organisation, ça va être utile. Tac, 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 tac. Toujours pas, hop. Ok, ah oui, donc ça c'est le problème aussi des jeux console. Il me dit que c'est trop court alors qu'en vrai je peux complètement le faire vu que je l'ai fait tout à l'heure. Tac, tic, tac, 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 tic, tac, tac. On va faire comme ça. Oh là 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 là, je voulais faire un truc beau et voilà ce que ça me fait. J'ai une nouvelle idée. Puisque j'ai l'habitude de ces conneries là avec ces jeux là. C'est à dire qu'il faut le prendre. Tac, on continue là, hop, et on fait ça. Voilà, là il veut bien. Ne me demandez pas pourquoi, c'est extrêmement... c'est extrêmement compliqué. Donc, le donjon est construit. On va avoir une petite notif. Oui, voilà, la notif arrive. Donc là, on voit des maisons. Là, c'est eux qui construisent des bidonvilles, en fait, des cahutes. C'est à moi de leur construire des maisons. Mais ça attendra un peu, parce que ça fait perdre de l'argent plus que ça en rapporte. Vu la verdure, je pense que... Non, même pas. Je pensais qu'il y avait les camps de bûcherons, ça allait être intéressant. Donc on voit en vert là où c'est intéressant. Je vais en construire. Parce que ça, en fait, les camps de bûcherons, ça rapporte beaucoup d'argent. Une fois qu'il n'y a plus d'arbres, ils se démolissent tout seuls, donc ça fait de la place. C'est intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc ça, je pense savoir que c'est l'offre platine, tout ça. Salutations. Voilà. Donc là, je viens de choisir... j'ai payé 4000, mais j'aurai plus de missions, des missions plus régulièrement, donc ça va être intéressant. C'est parti. Hop, on va aller jusqu'à la mine, tac. Et dès que je pourrai la construire, je vais la construire. Pour l'instant, j'ai construit un seul camp, un deuxième camp de bûcheron peut-être, pas trop. Des ranchs de lama. Des ranchs de lama. Alors ça c'est pareil. Donc le lama ça sert juste pour la laine. Ce qui est pas extrêmement utile avant d'avoir débloqué l'usine de textile. Donc je vais vraiment le faire pour la mission, sinon je l'aurais pas fait honnêtement. Tac. Par contre ce qui peut être intéressant, ça va être les ranchs de bovins qui font du lait et de la viande. Tac. Et en même temps qui crée de l'emploi aussi, c'est important parce que comme ça les tropicains seront pas au chômage. Et en plus de ça, là on va faire juste pour le lait. En plus de ça... Ah c'est pas beau, c'est pas grave. Et en plus de ça, ils vont pouvoir s'acheter des maisons. Donc ils vont plus vivre dans des taudis, ça va être plus beau à regarder. Moi je fais très attention à l'esthétique de mes îles hein, à chaque fois. Magnifico. Hop, donc là il y a un puits de pétrole un petit peu plus bas... Attendez, je vais vous montrer juste après. Voilà, encore un problème de... Ça, je comprendrai jamais pourquoi ça fait ça. Alors que tu peux faire ça, ensuite ça, et ensuite ça. Et bon, je comprendrai jamais. Gouverneur, j'ai essayé d'obtenir autant d'informations que possible à propos du Toucan. Ok, donc il n'y a pas eu d'informations. Donc ça, voilà, ça c'est un puits de... Un gisement de pétrole, pardon. Alors, donc ça, je pensais que c'était un gisement... Donc c'est un gisement de pétrole, donc... on va falloir attendre un petit peu avant de le faire. Désolé, je suis en train de lire en même temps les messages sur Messenger. Salut à Vega et à Red Damas si m'entendent. Les progrès. Construire une bibliothèque, voilà. Écoutez, tac, ça va se faire tout seul. Du coup, les maisons, on va pas le faire maintenant non plus. Et on va construire, tiens, des bananes. L'intérêt des bananes, pareil, c'est que ça nourrit. Mais j'ai pas envie que ce soit trop en ville parce que c'est moche. Il va falloir quand même le faire là parce que sinon ça va pas être assez efficace.
Hop là, voilà, perfecto. Oui, je voulais construire, donc ce que je disais. Alors ça, c'est pareil, donc ça, c'est que dans les add-ons, c'est... Je sais pas si j'ai assez d'argent. Je sais plus ce que c'était. Oui, c'était ça, un coin de ranger. Donc ça, faut acheter les add-ons, ça, c'est pas dans le jeu original. Je rappelle que je joue sur PS4, un jeu de stratégie. Et c'est assez intéressant, parce que c'est très bien fait, en fait. Donc là, il manque de personnel, tac, on va augmenter un peu le salaire. Peut-être attirer du monde. Il manque aussi du personnel qualifié, donc... On va bien voir ce que ça donne. Alors. Voilà, faut attendre. Ah, tiens, j'ai une mission. Ça, c'est assez rare aussi, les missions qui sortent d'autres parcs. Il est passé pas mal de temps dans le donjon et les gens y ont plein d'histoires à raconter. Ça parle souvent de trahison, de mariage, de missions catholiques, de trahison, d'amour, de trahison et d'un tas d'autres trucs palpitants. D'accord, bah, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il faut qu'on sorte de mission catholique, mais on va le faire. Donc mission catholique, c'est un bâtiment religieux. Ça paraissait assez évident, mais... On va pas les construire côte-à-côte, ça va peut-être pas être très esthétique. Tac. Ah oui, je voulais construire aussi une épicerie qui permet un peu aux gens de se ravitailler en nourriture. Donc ça, c'est le bateau qui transporte... qui exporte ce que moi, je vais cultiver sur l'île. Tac tac tac. Voilà. Donc là, alors voilà. Donc là, j'ai lancé le camp de ranger qui est là. Et hop, ils vont faire de même des explorations. Donc là, je sais pas où ils vont. Normalement, ils me disent où ils vont. Ah voilà, ils vont là. Voilà, donc ils font des petits allers-retours petit à petit, mais on va finir par avoir l'île complètement découverte. Par contre, s'ils sont. Gouverneur. Bien avant votre temps, ou même le mien, un grand nombre de joyaux furent découverts à Tropico. C'est ainsi. Ok. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc là, les constructeurs sont un peu lents parce que j'ai qu'un seul camp. Ce qui est un peu galère. Présidente, à la naissance de l'héritier... Bon, ça, je vous passe le reste. En fait, j'ai eu un héritier, il fallait que je trouve un moyen de savoir... La révolution est une... Ah, construire un peu. Comment j'allais le reconnaître, en fait. Donc le pub, ça rapporte beaucoup d'argent si c'est placé sur la plage. Excusez-moi, je sais plus trop où c'est. Je passe des heures sur ce jeu et je sais toujours pas, voilà. Donc là, on va voir 125, je crois on peut aller jusqu'à 125, si je me trompe pas. Peut-être pas sur cette map-là. 114, 115, 117, 116, 118, j'ai vu au max. Bon, on va se contenter d'un 117, voilà, on va se contenter d'un 117. Et je vais construire un bureau de chantier, donc... pour gagner quelques constructeurs. Et ça, tac, on va mettre la priorité haute. Ils vont s'occuper de celui-là, qui ensuite va s'occuper de celui-là. Sa royale majesté. Voilà, donc là, on propose de présenter cette citation qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'Empire. Ah, je vais pas parler en même temps que lui. Donc là, on propose une prolongation de 12 mois. Moi, je prends souvent ça, mais là, il me reste encore pas mal de temps, 3 ans et 6 mois. Donc, une aide financière de 5 000 $ serait parfaite. Il a toujours pas découvert la faucille. L'appel pour les mines. Bizarre. Alors que ma bibliothèque marche bien. Ok. Bon bah attendons un petit peu. Hein. Donc là les docks me ramènent un peu d'argent. Je vais pas tarder à faire les maisons. Ça ne va pas de l'argent. On va mettre haute. Une équipe de recherche composée de mines débloquées. Voilà, parfait. Donc ça rapporte beaucoup d'argent. Et hop, donc ça c'est pareil. Tac, élevé. Et le budget. Je vais pouvoir leur donner beaucoup d'argent. Impeccable. Mon bureau de chantier est là. Oh. Ah si, c'est moyen du monde. Je vais pas tarder à construire les maisons. J'aimerais bien d'abord qu'ils... Vieille branche, je vous ai dit que la reine voulait le toucan. J'aurais peut-être dû préciser qu'elle le voulait maintenant, immédiatement, tout de suite, sur le champ. Mais qu'est-ce que vous... Alors ça, je comprends pas bien le délire de... du toucan. Ok. Mine de charbon, j'imagine. Gisement de charbon, ils appellent ça les gisements. Mais... Voilà, donc il y a aussi les mines d'or qui rapportent beaucoup d'argent. Donc là j'ai réussi à avoir 1000 peuples, j'ai demandé d'avoir 3 nouveaux citoyens éduqués. Donc ce qui fait qu'ils peuvent travailler dans des trucs un peu plus
classe comme la bibliothèque, par exemple. Il faut quelqu'un d'université. Les choses se gâtent, vieille branche. Et par là, je... Voilà, donc si je proclame l'indépendance, quelqu'un je garde la tête sur les épaules. La campagne. Exporter de la laine, pas de problème. Donc voilà, donc là j'ai encore 3 ans pour avoir l'indépendance, donc pour chercher le décret constitution qui est là. On va d'abord faire hop, 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 et après on va faire constitution directe. Voilà. Voilà, voilà. Mais ça peut aller très vite hein, si je construis beaucoup de bibliothèques. Mandat réduit 12 mois, what? La campagne. Ah, j'ai pas lu. La campagne. Presidente. Ah, j'ai pas lu. Ah, je viens de faire 12 mois de mandat là. Bah on va construire la mission catholique. Je sais pas la si c'est lui qui me l'a demandé. La campagne militaire de... Presidente, il est pas... Ouais, non, lui me demandait de la laine. Donc, alors, on va construire de quoi exporter plus de laine. Parce que je suppose que mon contrat sera prolongé. Ah merde, c'est embêtant ça. C'est grave embêtant. Ça fonctionne pas assez bien, on va augmenter les salaires. Ça, ça fonctionne très bien. Donc là, je vais choisir un directeur, donc Excellente nouvelle. Ok. Pardon. Voilà. Un directeur, donc ça, c'est un petit boost. Hein. Là, ça me booste les points de recherche. Une mission catholique, de fête, de quasi-fête. Ok. Une nouvelle. Des années après que les fameux toucans ont disparu avec les joyaux, une infâme pirate du nom de Testa rôdait sur les mers. Ok, donc là c'est une info sur le toucan. Essayez de parler. Construire un nouveau dog, donc ça va me servir aussi. Ça va... Je vais avoir de l'argent plus régulièrement. Tac, voilà. Nickel. On va le faire vite ça aussi. C'est très utile. Ça permet d'avoir plus de bateaux, donc de l'argent plus régulièrement. Hop, donc là on a l'amélioration des ranchs. Bon, on va le faire, écoutez, on va améliorer tout ça. Ça c'est pareil, hop, impeccable. Donc le temps ça fait quoi? Qui est du travail augmenté de 10, bon bah parfait. Ok, tout le monde travaille là, bon impeccable. Exporter de la laine, j'ai quasiment terminé. Mission catholique, la deuxième elle est où? Ouais, ça avance pas ça. Ah oui, attends, le gisement de charbon aussi, faut que je m'en occupe. Le gisement de charbon aussi. Ça aussi ça rapporte de l'argent, j'avais oublié. Alors, comment on va faire? On va faire ça, et on va faire ça. C'est presque beau. Et je vais pas tarder à construire les maisons. Au départ, toutes les compétences de directeur pour d'autres bâtiments, en fait. Hop, directeur, roi du pétrole. Grâce à vos efforts. On va plutôt le mettre là, tiens. Voilà. Ça augmente les mines. Hein. Hop. J'ai enfin de bonnes nouvelles. Arrêtez trois citoyens. J'ai parlé à ce MacGuffin. Il s'est vraiment chassé plusieurs lièvres à la fin. Ouais, faut qu'on arrête plus de monde parce qu'on n'arrête pas. Comment arrêter les bons? On peut en arrêter au hasard. C'est payant, je crois que ça coûte 500 pour arrêter. J'aime le coucher de 1000, ça coûte 1000 pour l'arrêter. Routier. On sait pas si le gars c'est un rebelle, si c'est un criminel, si... Bizarre. Je vois vraiment pas comment... Attendez, il doit y avoir un décret peut-être pour faire ça. Décret recensement, découvert papasserie. Ah d'accord, c'est pour ça, ok. Ok. Il y a un truc pour découvrir les citoyens, leur rôle en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est ça je crois. Ouais c'est ça, Inquisition. Alors ça fait une grosse église gothique. La construire vite, comme ça on va pouvoir détecter les gens et arrêter les bons. Ça, royal, majesté. Hop, on va prendre la prolongation cette fois et explorer l'île pour trouver un gisement d'or. Bah, ça c'est en train de se faire automatiquement, je vais pas le faire. Voilà, voilà, mon salaire d'aller un petit peu mieux là, mon argent est redevenu en positif. Je vais construire des... Remarque. Je vais encore continuer d'essayer de me faire de l'argent, tiens. Camp de bûcheron, on va en mettre un là. Ici, il va falloir mettre une route. Comment faire autrement? Non, c'est bon, on va faire comme ça. Tac. Vu la gueule de la forêt, je pense que là, je vais pouvoir couper de l'arbre. Ouais, c'est vert.
Il est ouvert, parfait. Tac. Donc ça, c'est pas très bon pour l'écologie. C'est pas une blague pour l'instant, on s'en fout, mais après, il faudra faire attention à tout ça. Voilà. Ouais, je suis en train de faire un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Plantation. Cacao, café, qu'est-ce qui serait pas mal ici? L'ananas? L'ananas, allez, c'est parti. Voilà. Jusqu'à présent... Syrie débloquée, c'est bien ça. Ah, Syrie débloquée, donc là maintenant le bois, on va pouvoir le transférer dans des Syries, bon, on va voir ça après. Qu'est-ce que je voulais faire? C'était une épicerie, pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Tac. Important. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre. Quelques secondes. Ah voilà, donc là l'inquisition là. Donc, du coup, maintenant on va me dire si certains citoyens sont des rebelles, des criminels, des choses comme ça. Et je crois qu'il y a des trucs à améliorer intéressants. Ouais, l'inquisition permet de faire des profits en fonction du nombre de bâtiments religieux. On en a deux. Ça peut être intéressant. Du coup, un petit bureau de chantier, ça... bureau de routier, pardon. J'ai pas assez d'argent. Ça me permet de transporter les ressources, les amener au dock. Ou de transporter le bois vers l'usine. Ah voilà. Bureau de routier. Tac. On va le mettre là. Et on va construire la scierie. On a pas assez d'argent. 7000 il me faut. Donc il me faut un découvert de. Voilà, ah, c'est bon. Tac. Voilà. Et là, ça va devenir intéressant niveau argent. Tout ça, c'était du flan. Et dire que j'admirais la liberté des pirates. Mais en réalité, eux aussi, ils sont un roi. Les rois des pirates. Tiens, on va l'envoyer lui. Ok, trouve ma gestion d'or. Citoyen arrêté, 0 sur 3. Ouais, j'ai pas encore... Ah, voilà. Ah non, ça, c'est mon, ça, c'est mon président. Respectez mon autorité. J'ai encore rien pour l'améliorer. Pour l'améliorer, en fait, il faut de l'argent sur le compte en Suisse. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Guerre mondiale, okay. Ok. Bonne nouvelle! Fort militaire débloqué, parfait. Bon, bah là, elle fait sa petite vie, mon île. Je pense qu'à la prochaine exportation, je vais créer des maisons. Dès que je commence à avoir un petit peu d'argent, je vais commencer à créer des maisons parce que là, ça devient un peu le bordel. Et en plus, je tire pas d'impôts de ça. Alors que je pourrais gagner de l'argent avec les maisons. Profit auto, 0. Et ouais. Ça, la Syrie, on va se dépêcher de la faire. Et. Présidente, avoir deux donjons avec salle d'interrogatoire. Ah oui, donc ça, ça peut être intéressant. Sa majesté, sa royale majesté. Donc là, en fait, j'ai été récompensé d'avoir fait la recherche sur les ranchs. Combien je gagne? Ah oui, bien. Est-ce que j'ai assez pour un donjon? Non, c'est 3000. Je les ai pas. Non. Ah, dommage. Mais là, peut-être que je les ai avoir, par contre, avec le deuxième bateau. Oui, je les ai. Voilà. Deuxième donjon, tac, et on va créer une salle d'interrogatoire qui permet d'arrêter automatiquement les personnes, si je ne me trompe pas, les criminels et les rebelles. Mais on n'a pas assez d'argent. C'est l'interrogatoire, détecte les rôles des citoyens. Ah non, ok. Ça les arrête pas automatiquement. Ça détecte juste leur rôle. En fait, ça sert à rien de construire ça en vrai. C'est assez con ce que j'ai fait. C'est pas grave. On va créer une route commerciale avec des pirates. On va leur exporter de la laine, puisqu'on en a, et des rondins, puisqu'on en a aussi. Voilà. Ça va nous faire un peu plus d'argent, des revenus en plus. Allez, on construit. Les gisements d'or, je suppose qu'ils sont à l'opposé de la map, ils doivent être genre là, ça doit être ça. Uranium ici, je pense. L'uranium, ça vient en fin de game. L'or, c'est peut-être là, alors, tiens. Pas du tout, absolument pas. Non, mais je sais pas où c'est, on va bien trouver. Du coup, il me fallait deux donjons améliorés. Le premier, on va l'améliorer maintenant. Salle d'interrogatoire, parfait. Ah voilà, il y en a un là. Donc ça, c'était un... je sais plus quoi. Tac, donc ça on va l'améliorer comme ça pour avoir un mitard. Et ça, hop, on se dépêche de le construire pour l'améliorer ensuite. Donc là j'ai fait en sorte qu'il détecte les rôles des citoyens et qu'il les arrête. Donc lui c'est chef de la faction royaliste. Bon, il m'embête pas donc je vais le laisser. Voilà.
Attends, normalement j'ai fini. Salle d'interrogatoire, parfait. Sa majesté. Avoir deux ranches améliorées et avoir un opéra impeccable. Donc l'opéra, ça se fait assez rapidement. J'ai l'argent. On va le mettre ici. Ça n'a aucun sens de mettre un opéra ici, mais bon. Sa royale. On prend la prolongation. Parce que on prend pas de risque de se faire éliminer si facilement. Par la présente constitution. Ok, ok, on a une constitution, parfait. Citoyen arrêté, toujours zéro. Toujours zéro, toujours zéro. Pourquoi il est en prison? Non, il est pas en prison. Non, non, il est au milieu. Ok, j'ai peur. Donc là, ils vont les arrêter automatiquement. Dès qu'il y a un mec qui fait un peu chier. Criminel ou autre. Tac, ça dégage. Est-ce que ça tourne bien? Non. Grippe souffle, le budget augmente de 5%. Et l'argent volé va sur le compte en Suisse, qui permet ensuite d'améliorer son personnage. Nouvelle vieille branche, l'opéra que vous avez. Ouais. On va prendre les 2000 euros. Ça, c'est la récompense de l'opéra. Ça y est, Presidente, on l'a trouvé. Non, pas le tout comme Alter, mais le père du bébé d'Isabelle. Ok, on fausse joie. Voilà, donc un bateau, on va gagner un peu d'argent. Salut, Red Damask. Bienvenue sur Let's Play de Alchigo El Presidente. J'ai gardé mon ancien nom hein, de président. Ouais. Du coup, je suis encore en déche d'argent là. Hein. L'armée de Sa Majesté a été décimée par le manque de sous-vêtements. On s'en fout. Pourquoi je gagne pas d'argent? Ça, c'est incroyable. Normalement, je suis censé remonter à mort. Alors là, je comprends vraiment pas. Ah, ou alors, c'est... D'accord, en fait, c'est pas le beau là. Ok. Eux, en fait, ils prenaient juste mon... Non, normalement, ils sont censés aussi me donner de l'argent. Donc, bizarre, bizarre. C'est une dynastie digne de se prospérer, ouais. Ça, c'est bien vrai. Mais alors là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai des problèmes d'argent. Problèmes financiers. Ok, petit chargement. Ouais, je disais, les musiques sont pas libres de droit, donc je sais pas, j'espère que ça va pas poser de problème. Bon, après monétisation, on s'en fout. Mais des problèmes de droit. Mais les anciennes vidéos étaient restées, donc ça devrait le faire. Presidente, alors. Il est secoué par une crise sans précédent. Patricia. Vous vous souvenez de Patricia? Elle était follement amoureuse de Georges, jusqu'à ce qu'il tombe de cheval et commence à entendre la voix de sa sœur, morte depuis des années. C'est qui, Presidente? Il est secoué par une crise sans Presidente. Presidente, Presidente, Presidente. Okay, bon, bah, agissons immédiatement. A été adopté par une boucher parce que sa mère a dû l'abandonner à cause du machiavélique Fernand. Ah, il faut qu'il rencontre un épicier. On va construire trois épiceries supplémentaires ou trois épiceries en tout? On va construire une deuxième, on va voir ce que ça donne. Tac. Ah oui, non, il en faut trois en tout, moi, ça va. Et une troisième ici, impeccable. Du coup, tu sais comment tu vas appeler les rejetons? C'est peut-être sous copyright, on verra. Ah, mais c'est pas moi qui choisis leur prénom, malheureusement. Mais ils auront des prénoms chelous, hein, t'inquiète pas. Déjà, moi, je crois que je m'appelle Ernesto. Presidente. Ah, c'est là. La première tornade de la partie. En général, moi, je prends cher. J'ai pas de chance avec ça. Ils ont encore arrêté zéro citoyen. Bon, bah, on a arrêté trois au hasard, hein, désolé. Bonjour. Hop, toi, tu dégages en prison. J'aime le coucher de soleil. Toi, en prison. Et toi, en prison aussi. Voilà. Absolument arbitraire, mais... Donc là, j'ai débloqué le journal. Vous avez rallié les rois... Ok. Je crois que ça a rien cassé. Oui, de nouveau au top. Ah, une plantation d'ananas détruite. On va être là. Mandat réduit de 6 mois. Ah. On va voir ça. Du coup, les épiceries sont en train de se construire. Est-ce que je ferai pas les maisons maintenant? Bah si, je vais les faire maintenant. Ouais. Donc les maisons de campagne, c'est parti. On va en mettre une ici. Là où il y a des bidonvilles, je construis quelques maisons. Donc, une là, deux là. Peut-être une troisième ici, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai déjà plus d'argent. Alors, le hasard est comme le chaos, impartial et juste. Et tu la sors d'où cette citation merveilleuse? De ton brillant esprit? Voilà, donc là j'ai arrêté des mecs. Bonsoir. Au hasard, justement. Ils sont où? On les voit pas.
Ah voilà, mes bateaux. Alors là, là l'argent va couler à flot. Non, 1700. Joker un peu remanié. Okay. Ah oui, en effet, en effet. Bah donc tu le dis, ouais. Ok, on va reconstruire quelques maisons peut-être. Une là. Une là. Peut-être une deuxième là. Tac. J'ai encore de l'argent. Ah oui, ici ça commence à... Ok. Allez, en fait, c'est plutôt là que j'aurais dû commencer. J'ai une nouvelle mission. Le Touka empaillé, rempli de joyaux, reste en possession de Testa pendant de nombreuses années avant que l'on découvre sa vraie nature. Malheureusement, il était trop tard. Et cela transforma un simple oiseau empaillé en légende. C'est... Je comprends vraiment pas le... l'intrigue de cette histoire. Mais bon. C'est pas grave. Maison de campagne. Deuxième. Par contre, s'ils sont lents comme ça à construire, demain on est encore, je crois. On va voir ce que ça donne. Hop là. Les musiques sont très classe. Espérons qu'elles passent sous copyright. Hop, maison de campagne. Hop. Hop, et peut-être une autre là. Hop, voilà. Bon, là, niveau maison, on est bien, là. Okay. Et niveau argent, on est plus pauvre que ce que je pensais. Ok, bah, bon appétit. Et de toute façon, moi, je sais pas si mon live va durer 3 heures, parce que j'ai encore des problèmes de manette qui se déchargent petit à petit. Enfin, comme toutes les manettes, mais que je ne peux pas recharger. Mais bon, c'est pas ça à refaire. Vu le nombre de fois que je joue à ce jeu, il y a moyen que je refasse d'autres lives. Nous avons découvert décrire Président. Vous pouvez proclamer indépendance. Donc là, déjà, première mission réussie, logiquement. Je vais quand même finir les petites missions qui sont là. Tu en vois juste une. Ah non, pas encore. On va attendre un petit peu. Bon courage pour la manette. Bah, merci. L'indépendance, donc soit je la paye, ou soit il m'envoie des troupes. Donc je vais plutôt. Moi, j'aime bien un peu les défis. Donc je vais lui demander qu'il envoie l'armée. Et on va voir si on arrive à se défendre convenablement ou pas. Logiquement, c'est pas trop dur. Trouver un gisement d'or. C'est bizarre qu'on l'ait pas trouvé encore. Bizarre. Ou alors c'est là, tout simplement. Mais non, normalement, on voit quand c'est de l'or. Ah, attendez. J'ai une autre idée. Tout simplement, je suis pas allé voir là-bas. Eh oui, c'est là. Il est là, en fait, le gisement. Je vais lancer l'expédition. Enfin, aide financière, et on va lancer l'expédition avec l'aide financière que j'ai eue. J'ai baissé le temps en fait pour pas que l'argent parte trop vite. Et on va demander à ce qu'ils aillent précisément ici. Voilà. Tac, on augmente le temps et c'est parti. Après, je vais proclamer l'indépendance. On va peut-être refaire d'autres tours de garde. Là, ça va être un peu léger. Arrêter 12 citoyens supplémentaires. Non, ça sert à rien. Pas besoin de prolonger mon mandat parce que. Tant pour chaque citoyen. Que vous ayez... 2 mois. Waouh. On peut gagner 2 ans avec une simple mission. Ok. On continue les tours de guerre. J'ai envie qu'ils m'attaquent. Ah bah non, bah tiens, le fort militaire. Si t'es un fort militaire, logiquement, on ne fait pas chier. Enfin, on fait chier, mais ça se termine assez rapidement. Tour de garde, hop. Voilà. Non, on va quand même arrêter les 12 citoyens. Juste pour rigoler. Parce que j'ai envie que ma ville se développe. Parce qu'après, on va retourner dans cette ville-là, donc j'ai envie de développer un tout petit peu ma ville. Et on passera à l'époque. Je vais essayer de faire quelques missions. J'ai peut-être pas assez d'habitants pour avoir des maîtres du crime ou des trucs comme ça. On va voir. Peut-être qu'on sera d'autres maisons. Visiblement, il y en a besoin d'une ici. Ça m'a l'air bon, ça m'a l'air bon. Peut-être une ici. Bon, on n'a plus de sous.
Là, j'ai de quoi me défendre, logiquement. Catastrophe. Insulté les meilleurs moyens d'insulter leur roi. Elle chante une chanson. La révolutionnaire voulait que je fasse un coup au roi. Donc... on va l'insulter. Et du coup, bon, on va refaire. Oh, la passe. 22 citoyens nains de plus. Déjà qu'on a un problème de logement. Ça va pas s'arranger. Bon, au départ, j'étais parti dans l'esthétique. Là, c'est devenu chaotique. Ah, j'aime bien qu'on soit des manoirs ici, plutôt proche du palais comme ça. Tac, tac. Ok. Et ici, normalement. On construit une maison là, tu vois. Ça a aucun sens. Aucun sens. Mon fort est terminé. J'ai pas de soldats dedans. Ah oui, moi aussi j'en ai, ouais. Calme. Gisement d'or, il a toujours pas été trouvé. Hein? Ah non, d'accord, ok. Ouais, mais en même temps, c'est tout au bout de la... Est-ce que par hasard, ici, on peut construire un dock? Dans les autres maps, on peut pas. Ah si, on peut. Ok, cool. Mais ça mène où, ça? C'est un lac? Ah non, d'accord, c'est une autre mer. Ok. Cool. Du coup, on va reconstruire quelques maisons. Hein. Même si celles-là n'ont pas été construites. Bah ici, ça a l'air d'en avoir besoin, visiblement. Ah bah attends, la mine d'or, il l'a découvert dans combien de temps, là? Ah bah c'est bon, elle est découverte. C'est de l'uranium. Donc c'est là-bas, alors, en fait. Oh, flemme. En plus, il me reste plus que 10 mois. Il va falloir arrêter deux. Non. J'ai pas assez de sous pour les arrêter. Puis j'ai pas envie de dépenser mes sous là-dedans. Maintenant que les bateaux arrivent, donc là on a pris un peu d'argent, on va construire un autre camp de chantier. Tac. On va construction rapide. Ça coûte le prix du bâtiment lui-même, en fait, la construction rapide. Ça double le prix du bâtiment. Et on va. Présidente, voilà. Donc soit on paye 20 000, ou soit on leur demande de venir. On va leur demander de venir parce que 20 000 c'est quand même beaucoup. Ça, on va. Pourquoi on peut pas l'améliorer à partir de guerre mondiale? Ok, donc ça sera pour le prochain live. Hein. Ah oui, ils sont déjà là. Ah ouais. Ça rigole plus. Je vais construire des maisons dans la pagaille. Ça reste utile. Donc là, nos soldats du fort sont ici. Bon, c'est pas un jeu de conquête, hein. C'est pas un jeu de guerre. C'est plutôt pour le fun, les guerres. C'est une partie de l'intrigue, quoi. Là, c'est l'argent pour reconstruire. Alors, faut savoir aussi que pendant les combats, on peut pas construire de bâtiments militaires. On peut les construire, mais ils seront jamais terminés, même en construction rapide. Ce qui fait qu'il faut se préparer avant les combats, quoi. En combat, c'est mort. Bon, du coup, ça va le faire avec mes tourelles. Ça là va peut-être péter, nous remporterons ce combat. Non, donc même pas. Ça m'étonne qu'elle pète pas d'ailleurs. Ok, bon bah non, ça va péter. J'ai réussi à repousser l'envahisseur. Donc là, on a une constitution maintenant qu'on est. Plus sous le joug de la couronne. Donc là, on peut choisir le droit de vote des riches, des hommes ou universel, l'état laïque, un théocratie, un état athée. Donc là, en fait, quand on est en théocratie, plus il y a de bâtiments religieux, moins il y a de délinquance. Enfin, autour des bâtiments religieux. Conscription, donc là, on choisit si on veut éduquer les soldats ou si on veut recruter n'importe qui ou avoir une armée d'élite, une armée professionnelle. Moi, je vais laisser comme ça, vote des riches. Moi, je vais mettre le vote. Non, pas universel. Pas encore. On va mettre le vote des hommes. Voilà, parfait. Hop, donc là maintenant, logiquement, voilà, on va être placé dans la nouvelle île pour entamer la guerre mondiale. Qui va donc se passer sur Isla des Poupos.
Ah, et j'ai plus de mal. Pourquoi ça marche pas? Allo, allo? Bon, bah écoutez, je crois que c'est le moment. En plus, j'ai beau cliquer sur les touches, ça ne marche plus. Le jeu est buggy. Est-ce qu'on m'entend toujours? Ou est-ce que c'est ma manette? Ah non, ma manette marche. Bon, bah écoutez, bah. De quoi marquer la fin de ce live? J'espère que ça a sauvegardé. Oui, ça a dû sauvegarder. Mais là, je suis vraiment bloqué. Première fois que ça m'arrive. Bon bah écoutez, c'est la fin du live, sur ce. De toute façon, c'était prévu d'arrêter bientôt. On refera un deuxième live pour parler de la guerre mondiale, en espérant qu'il est... Enfin, pour parler de la guerre mondiale, non, on s'en fout. Pour jouer sur Tropico pendant la période de guerre mondiale. Et du coup, j'espère que ça a sauvegardé ma partie. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à retrouver Red Damask ce soir, si je me trompe pas. Sur Space Engine, un jeu que je ne connais pas. Et voilà, du coup, ciao à tous et à bientôt.